The school began around the 90s with kids school. And then 10 years after, we have the first students who came for the preparatory school. On s'est positionné assez tôt sur le fait qu'on souhaitait une école préparatoire et pas une école supérieure ou de formation professionnelle. Ici, il n'y a qu'une seule promotion qui fait la formation en 2 ans, donc elle change tous les 2 ans, et là, c'est la première année. In France, we have money from the states, from the ministry, culture ministry, and from the local financial, like the région Auvergne-Rhône-Alpes, who is helping us on this project. And so actually the course is free. They are between 18 and 22, because after in superior school, you have age limits. There's 8 French, 2 Chilean, and 1 Italian, and 1 from Catalonia. Non, il y a des gens qui viennent avec un parcours gymnique ou dansant ou théâtral, et c'est un plus. C'est-à-dire qu'il y a pas de, on n'est pas fermé à ça, mais il faut qu'il y ait une base de cirque. En fait, il y a des semaines types. Les semaines types, c'est où on a en général acrobatie, équilibre sur les mains, les cours collectifs, en fait, où on est tous ensemble, le jeu. Et on a aussi, ben, selon si nos profs sont disponibles ou pas, on a notre spé. Et on a souvent un prof pour 2 ou 3, ou même une personne des fois. Et voilà. Et après, il y a des semaines un peu spéciales où on va avoir du théâtre, où on va avoir du clown. La semaine. So they have acrobatic and handstand, they have contemporary dance, classic dance, physical preparatory. Des cours d'anglais, des cours de français pour les étudiants étrangers. Et il y a des cours de diététique, il y a des cours d'anatomie, de biomécanique qui sont faites du coup par l'ostéopathe et la personne qui est référente santé. Donc je les ai en cours théorie, après les cours théoriques, j'essaie qu'ils soient le plus ludiques possible. We have a lot of different classes. And we have, I think, 2 or 3 times a week free training, and you can do your spé or what you want. Le vivier de profs qu'on a à disposition, sur lequel Nadège a beaucoup travaillé, du coup il y a eu un élargissement. On est de plus en plus de profs par discipline pour avoir des points de vue différents et enrichir le travail. I'm working with artists who are coming like 2 or 3 times a month, and they are giving classes on acrobatic or trapeze or Chinese pool, it depends. On a un point de vue qui est assez ancré dans l'école, qui est sur la bienveillance et de l'accompagnement de santé. Il y a un ostéopathe adjoint à l'école qui fait le suivi des jeunes qui s'en occupe. Il y a une équipe de 3-4 personnes en fixe qui s'occupent seulement de leur santé. Moi je suis ostéopathe et donc je les vois ensuite une fois tous les 2 mois à peu près en suivi ostéo. Et je suis aussi en lien avec la responsable santé, donc du coup je travaille au développement du pôle santé en fait. C'est incroyable de pouvoir avoir tout ça gratuitement, et du coup ça a la portée de tout le monde, et enfin c'est bien qu'on s'occupe de nos corps parce qu'on a souvent mal quoi. C'est pas juste le cours d'anatomie ou juste l'ostéo ou suivi santé, ça va avec tous les cours, et je pense que cette prise de conscience elle est aussi assez spécifique à cette école là. Ça va aussi dans la dynamique des autres profs et de l'école en elle-même. Toute l'équipe est super à l'écoute de notre fatigue et tout. La gestion des blessures, elle est bien assurée, parce qu'on a un rythme assez soutenu quand même. Du coup, c'est hyper indispensable que... Enfin, c'est pas le cas partout, mais en tout cas, ici, tout le monde est derrière nous, ça se sent bien, quoi. On représente un outil pour eux de leur vie d'artiste pour pouvoir aller bien un maximum de temps, au final. Since we are working with her, we are seeing on statistics that we have less injury than before. So that shows that when you have people who are working on this in your school, this makes the school different. Ah,
Ah, c'est une grande famille. C'est une grande famille. The ambience, like, it's really familiar. It's not a big school. I'm really, that's it, like, the people, it's cool, like, real familiar. On commence à bien se connaître, à bien rigoler. Ok! Oh. La plupart d'eux, maintenant, ils sont sur des parcours, ils vont en école supérieure après. Donc après, il y en a eu, Renan et Dorian, ils sont partis sur un duo de portée acrobatique sur monocycle à Montréal. Et ils s'entraînent régulièrement à l'école parce qu'ils ont basé leur compagnie ici. Après, on a des écoles qui vont à Fratellini, qui vont au CNAC, qui vont au Lido. Voilà, ça voyage quoi. Ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est la singularité des élèves. Bien évidemment, qu'ils aient de la pratique circassienne, oui. Qu'ils aient de la technique, oui, mais ça, à la limite, nous, ils sont ici pour en acquérir. Donc, bon, s'il y a du potentiel, c'est ce qui nous intéresse. Et puis, d'avoir le goût et la motivation de travailler, d'aller voir des spectacles, de réfléchir et d'avoir en tout cas le goût d'être sur le plateau. Thank you.